La place de l'enfant dans la ville. Les parcs, les endroits pour jouer, par exemple, Youpi. À tous les endroits qui sont appropriés aux enfants. Les endroits qui sont importants pour moi, c'est la forêt. Le cinéma, les magasins et puis ma maison. Les boutiques. Et papy et mamie. Mon lieu préféré, c'est au Rive Gauche où je fais du théâtre. Le skatepark, j'aime bien parce qu'il y a toujours mes potes qui sont toujours là. On est là, on s'amuse toujours, on ramène toujours notre balle. Nous, entre copines, les cinémas, la piscine. Je pense que c'est notre coin à nous, quoi. C'est notre territoire. Je pense que voilà. Je trouve que cette ville, elle est très conviviale, elle est très sociale parce qu'il y a beaucoup de dispositifs pour les enfants. Les endroits qui m'apprennent quelque chose et l'école. Par exemple, à la piscine, comment il faut nager. Au centre de loisirs, j'apprends la collectivité. Et dans les salles où tu fais de la danse du théâtre, tu apprends de la danse du théâtre. Tout ça, ça permet de s'ouvrir l'esprit et d'être plus riche intellectuellement. Je pense que partout où il y a des professionnels, l'enfant apprendra quelque chose et aussi dans sa propre famille. Chaque jour, j'apprends les choses, donc je sais pas, l'école, la famille, la rue, partout. On habite là où on peut. On peut choisir les maisons, mais des fois, quand il n'y a pas de maison à vendre par là-bas, on ne peut pas y aller. Ça dépend, parce que quand tu as des problèmes financiers, tu choisis pas vraiment où tu habites. À mon avis, on fait avec ce que l'on a. Donc si on peut rester, on reste. Mais après, si on n'a pas envie de rester et qu'on doit rester, on n'a pas le choix. Eh bien, ceux qui ont assez, à mon avis, emmagasiné de choses, d'expériences, de connaissances, pourront avoir justement le recul pour savoir qu'on peut partir, qu'on peut revenir. Après, c'est une décision très très dure de partir parce que après, on voit plus les copains, on se refait des nouveaux copains, enfin, dans un autre lycée, on adapte une autre vie, quoi. Moi, je pense que c'est intéressant de découvrir le monde. Une ville rêvée, c'est une ville où il n'y a que des espaces verts, des grands terrains vagues, il y a plein de dispositifs pour les enfants. C'est cette ville, quoi.